Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai passé la barre des 2500 abonnés depuis quelques jours. Donc je voulais vous remercier pour votre fidélité et tout ça. Donc pour vous remercier, je vais vous faire un cadeau. Le voici et il est plein. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans et puis après je vous donnerai les modalités. Hein, voilà. Donc, on va commencer par l'arrière. Hein. Donc, le sac est compris. Hein. Alors, à l'arrière, je vais peut-être pas tout sortir. Je vous ai mis une petite machine de découpe de chez 6X. Je vous ai mis un pad d'encre. Là, c'est des, vous voyez. Hein. Et puis là, je vous ai mis du washi. Hein. Donc voilà pour ce qui est de l'arrière. Je vais peut-être pas aller trop dans les détails parce que voilà. Alors, sur le côté, vous avez des petites poches comme ceci. Alors, dans celle-ci, je vous ai mis ces poches-là, c'est essentiellement des embellissements. Donc, vous voyez, il y a du. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Là, des embellissements bois, d'autres embellissements. Bon, il y a beaucoup d'unose, hein. Ça, des petits cadres. Il doit y en avoir deux. Là, c'est des étiquettes, hein. Ça vient de chez VA. Là, ça, c'est du rayeur. Là, c'est pareil, hein. C'est des embellissements qui viennent essentiellement de chez nous. Voilà. Mais bon, il y a de la marque, il y a du rayeur, comment dire? Hop. Alors, maintenant, je les remets. J'ai eu du mal à tout rentrer, hein, je peux vous dire. Voilà. Voilà. Après, celui du bas. Alors, celui du bas, j'ai mis essentiellement. Alors, j'ai mis un petit rouleau de ruban comme ça, qui peut servir pour les anniversaires, on va dire. En bas, tu le vois pas là. Comment? Et, voilà. Oui, merci. Voilà. Après, j'ai mis un petit cadeau de chez Craftelier, mais Craftelier n'est pour rien là-dedans. Je vous ai mis cette soda de découpe, celui-ci, celui-ci. Je vous ai mis des tamponnages. Alors ça vient de chez Action, hein, bien sûr. Celui-ci. Un pour Noël. Alors, je l'ai un peu plié pour qu'il rentre, mais qui date d'il y a quelques années. Ah oui, bon, l'enlève. Celui-là. Des embellissements pour Noël aussi. Là aussi. Et puis ça aussi. Et ça vient de chez Casino. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de cette poche-là. Attends, mets un crayon. On va laisser ça. Mets du crayon. J'en ai un gros. Attends. Ouais, voilà. Donc mon mari répare mes oublis. Il y aura ça en plus. Voilà. Donc, voici pour cette poche-là. Voilà. Donc on a vu ces deux poches-là. Sur celle du côté. Alors celle-ci est faite pour mettre un massicot normalement. Sauf que vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai mis des embellissements bois. Je ne vais pas vous les sortir. C'est des embellissements bois qu'on a eu chez Action il y a, disons, cette année et l'année dernière. Là, c'est Thank You et On Mat. C'est des choses neuves, hein, bien sûr. Hein. Il y en a qui sont encore dans leurs emballages. Là, c'est les petits embellissements qu'on a eu il y a 2 ans, je crois. Et ici, c'est. Voilà, c'est pareil. Ça vient de chez. Ah, mais il y a encore un autre dans le fond. Et celui-ci.
Voilà. Donc, je les remets. Voilà. Alors, je change un petit peu. On va aller devant là. Hop. Alors, dans cette première poche. Ah ben là, j'ai rien mis. C'est pas grave, mais c'est tellement plein derrière que de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Alors, là, j'ai mis ce qui concerne la colle. Donc, j'ai mis du double face 5 mm, la mousse 3D, ouais, c'est pour coller, hein. Voilà. Là, j'ai mis des petits carrés mousse hein, de plusieurs épaisseurs. Là, je vous ai mis un tube de colle. Et puis là, je vous ai... Oh, il y a un morceau qui est parti. Ouais, attends, je le retrouve. Hop. Voilà. Donc, je vous ai mis des récipients pour mettre la colle, pour que ce soit plus facile. Hein. Et puis, voilà. Hein. Donc là, on est essentiellement dans la colle. Et là, ouais, je vais les mettre debout dans le cou, comme ça. On va pas perdre le... Voilà. Enfin, de toute façon, il faudra que ça rentre dans un emballage. Donc, je le mettrai peut-être de façon différente. Hein. Voilà. Mais il y aura tout. Vous pourrez contrôler. Il y aura tout. Alors, là, je ferme. Voilà. Alors, ici, vous avez... encore des choses. Alors, je vais tout sortir. Alors, j'ai mis un cutter de précision, comment on appelle ça, un plioir, une plaque pour mettre les tampons, tire. Et puis un petit pour gratter là sur le côté. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, enfin peu importe. Vous m'avez comprise. Voilà. Donc là, c'est vu. Et ici, on va aller à l'intérieur. Donc à l'intérieur, ici. J'ai mis des boutons, des petits boutons. Ici, j'ai mis des tasselles. Alors, il y a des tasselles, il y en a que c'est moi qui ai faites et d'autres que j'ai achetées, bien sûr. Et puis ici, oh là là, j'ai mon ongle qui accroche. Ici, je vous ai mis des paperclips d'un peu toutes les formes. Il y en a sur la musique, des flamants roses, il y a un petit peu de tout. Hein. Ananas, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Hop, que je rentre bien le truc. Donc là, c'est derrière. Devant, là, j'ai mis ce grand... Ça, c'est un tampon de chez Action d'il y a un ou deux ans, trois ans, je ne sais plus. C'est plus sur l'été. Et puis là, vous avez une plaque d'embossage. Donc, vous pourrez l'utiliser avec la 6X. Ici, j'ai rajouté par le côté, parce que j'avais un petit peu de place, un petit cutter craftelier. Bon, comme ça. Là, je vous ai mis, c'est pour poser les tubes de colle à l'envers. Là, j'ai mis un petit tampon. Tiens, là, c'est pareil, j'ai pas enlevé le prix. Tu le caches. Et puis, je vous ai mis... voilà, ça, de chez Artemio. Et puis, ça vient de chez AliExpress. Hein, voilà. Merci. Alors, je rangerai après. Et là, je vous ai mis deux trousses. Alors, il y a une trousse qui est remplie de, comment dire, de twin markers. Hein, voilà.
Et puis, dans celle-ci, il y en a quelques-uns aussi, mais j'ai rajouté... Alors, je vais vous montrer. J'ai rajouté une paire de ciseaux et deux porte-mines avec, avec les mines. Hein. Voilà. Voilà pour ce qui est de là. Donc ça, je le mets là. Là, là et là. Après, ici, je vous ai mis des papiers, bien sûr, hein, puisque vous voyez les. Hop. Ah ben ça, c'est pas normal par contre. D'où ça vient ça? Ah, c'était resté dedans. Oh là là, tiens. Oui, parce que je vous dis, c'est le mien, celui que vous aurez, c'est un œuf qui ne sera pas déballé. Hein. Pose ça là-bas, tiens. Voilà. Ah oui, c'était, ça devait être resté dans le fond. Attends, il y en a peut-être bien encore un peu. C'est la dernière création qu'on a fait en atelier. Alors, là, j'ai mis une pochette où je ne vais pas toutes vous les montrer. Dedans, j'ai mis des papiers de chez Action. Hein. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc, voilà. Ici, je vous ai mis une collection de chez Sokai. Hein, donc, qui s'appelle En attendant l'hiver. Bon, c'est vrai que la personne qui la recevra, ça sera pour l'hiver prochain. Parce que voilà. Hop, ici. Là, je vous ai mis une collection de Stamperia, mais qui est assez ancienne. Mais vous avez tout dedans. Hein. C'est expliqué à l'arrière. Et à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous voyez, deux cartes découpées, six papiers, une feuille 18-30 avec 8 petits cartes, 4 sachets, 5 rubans. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu, il y a un petit peu de tout. On me suis dit, bon, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de matériel, ça peut aider. Et je vous ai mis une autre collection qui s'appelle Mariage. Par contre, là, c'est en anglais, les mots et tout ça. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de là. Ici, j'ai mis un bloc, les trois couleurs, blanc, craft, noir. J'ai mis un massicot de chez Fiskar. Alors, j'avais essayé de le rentrer, j'ai sur le côté, mais j'ai pas réussi. Et puis une règle parce que c'est indispensable. Donc voilà, voilà tout ce que vous avez dans ce lot. Hein. J'espère qu'il vous plaira. Vous me direz. Hein. Alors, on va le refermer. Je le pose là, voilà. Alors, pour participer, bien sûr, il faut être abonné à ma chaîne. Si vous êtes abonné public, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes abonné non public, il faudra faire une capture d'écran, d'accord? Alors, ce que vous allez faire, alors, ça concerne aussi mes abonnés, mes fidèles, comme je les appelle. Vous m'envoyez un mail à l'adresse qui sera dessous. Et je vous donnerai un numéro, d'accord? Et ce numéro, vous le mettrez... C'est un numéro que vous allez garder jusqu'au tirage, d'accord? Vous le mettrez au dos de votre enveloppe, d'accord? Donc, je saurai que c'est une enveloppe, entre autres, pour le concours. Et ça va m'aider, moi, pour gérer. D'accord?
Alors, il y a des conditions quand même, hein, donc il faut être abonné. Alors, pour celles qui ne sont pas abonnées, elles font une capture d'écran et puis elles me la joignent. Mais vous ne me faites pas une capture d'écran et puis après vous l'enlevez. Vous la laissez au moins le. Enfin, je veux dire, les gens qui s'abonnent, c'est gentil, mais vous vous abonnez pas juste pour. Parce que je me suis fait attraper lors de mon premier. J'ai fait gagner 4 lots et sur les 4, il y a deux personnes. Il y en a une qui m'a même pas remercié et l'autre un merci par mail. Donc, mon but, c'est quand même. J'ai à peu près 55 des personnes qui me regardent qui sont abonnées, mais j'en ai quand même 45% qui me regardent sans être abonnées. Donc je trouve que c'est dommage de louper des vidéos. Après, vous n'êtes quand ça vous intéresse pas, je vous oblige pas à regarder, hein. Alors là, ce que je voudrais, c'est que c'est un concours qui va durer jusqu'à la fin février, parce que là, fin décembre, c'est pas possible. Il y a trop de choses, mais vous avez le temps. Donc jusqu'à fin février, j'arrêterai de recevoir. Ce que je recevrai après le 25 février ne sera pas pris en compte, hein. Et là, c'est dernier délai, hein. Alors, sous mes vidéos, bah, vous mettez toutes les vidéos qui vont être passées. Vous me mettez un pouce en l'air. Hein, et puis un petit commentaire, même coucou, bonjour, voilà. Hein, c'est pas parce que je tiendrai compte des gens qui sont quand même fidèles. Hein, d'accord? C'est pour des gens qui ont plus de 18 ans, parce que la valeur du lot est quand même importante. Donc pour les personnes qui comment dire. Par exemple, Tepa Scrap, que je regarde, elle scrape beaucoup avec sa fille. Il n'est pas interdit que la petite me mette quelque chose. Mais ça sera une kiss pour les deux. Hein. Je veux dire, la kiss, si, ou alors elles se partageront le lot, quoi. Hein. Je veux dire, voilà. Donc, ce que je vous demande, justement, c'est une kiss. Hein? Donc, vous m'avez vu faire une kiss lors du précédent de la précédente vidéo. Hein? Donc, et la kiss, je veux qu'elle soit sur Noël parce que Noël, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Hein? Donc, voilà, c'est tout ce que je demande. Hein? Être abonné, me laisser de temps en temps. Enfin, le plus possible pour vous, parce que je vais noter, je vais tout noter. me laisser comment dire, un pouce en l'air et comment dire, un petit commentaire. Hein. Et puis, après, ben, voilà, on fera le tirage à la fin. Voilà. Alors, une kiss pour celles qui ne savent pas ce que c'est ça. Hein, d'accord? Je suis en face là. Je vais grossir. Tu me grossis. C'est ça. Hein. Là, j'en ai fait une hier soir sur l'hiver. Mais voilà. Donc, vous pouvez. Alors, elle n'est même pas bonne parce que j'ai pas marqué. Tiens, donne-moi donc le crayon noir que tu avais tout à l'heure. J'ai pas marqué mon kiss. J'y fais attention. Alors, je vais le mettre en dehors. Parce que comme celle-ci, elle partira chez quelqu'un, il faut que je le mette quelque part. Kiss, voilà. Donc, celle-ci partira chez quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je me suis cachée pour le mettre. Hein, donc, c'est ça que j'ai vu. Donc, sur l'avant, vous me mettez quelque chose en rapport avec Noël. Et vous devez écrire, ben, je vais vous le montrer. Je l'ai écrit, mon mot kiss, ici. D'accord? Hein? Vous mettez. Normalement, il faut essayer de le cacher au maximum. Moi, je me suis beaucoup amusée à mettre des poupettes
en, comment dire, en 3D, et puis je cachais sous la jambe. Mais ne mettez pas en 3D, s'il vous plaît, parce que je voudrais tout mettre dans une boîte, et si j'ai beaucoup de 3D, ça va être compliqué, hein. Et puis à l'arrière, je vous l'expliquerai ce qu'il faut mettre, hein. Je vous l'ai expliqué lors de la précédente vidéo. Voilà, bon, bah, écoutez, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et puis vous m'envoyez un mail. Je vous dis à bientôt. Au revoir.